regarde seulement la télé. Voilà la partie de la Vous êtes en direct, vous êtes filmé. Ah ouais, ça va? Ça va, ouais. Moi je t'ai connu, ça fait pas 3 jours. Quand tu as parlé bien. Merci. J'ai dit que non, je vais te chercher dans Paris. Alors? C'est vrai, tu ne ressens pas ce que tu dis. Ah bon? Ouais. Tu as sens... parler. Les gens qui sont au fond, on va pas connaître. Ouais, c'est vrai. Ma soeur, tu es une artiste. Tu choisis les mots. Choisis les mots. Parce que quand ça va payer là, c'est ça qu'on va t'attaquer. Les intelligents, ils vont comprendre. Voilà. Donc le reste, je m'en fous du reste en fait. Je fais pas la musique pour gagner l'argent. Voilà. J'ai mes pieds, j'ai mes mains. Si j'ai faim, je vais aller travailler. La musique, c'est pour passer mes messages. Donc ceux qui comprennent, bien sûr que je suis en train de te filmer. Je donne la parole à tout le monde, moi. Même ceux qui sont pas d'accord avec moi, tu vois. Parce qu'il n'y a pas de dictature ici. Ou avec ma façon, voilà, avec la forme, tu vois. J'ai compris que tu n'es pas d'accord avec, avec la forme. Mais avec le fond, on est d'accord. Voilà, c'est le plus important. C'est parce que vous avez réussi que vous allez fermer la porte aux autres. Les artistes qui ont réussi là, laissez les autres manger. Merci. Et aujourd'hui, certains ne participent plus dans le développement de la musique. C'est parce que certains ont fermé la porte. Ah ouais? Ouais. Mais bien sûr. Elles ont pris, elles ont fermé la porte. D'ailleurs, si tu veux manger, chie là-bas. Et chie. Comment promoteur? À plus tard, hein, parce que il faut pas que mon direct tourne autour d'une artiste. Hein? Non, parce que je lis un flop de way là, comme si. Moi, j'ai pas besoin de me comparer à quelqu'un. Je ne me compare à personne. Alors, moi, c'est quelque chose en flamme de tout ça. Qu'est-ce que vous voulez à la chambre de bonheur? Elle va chanter, on va danser. Je viens de lancer le direct. Elle va chanter, on va danser avec Malox. Ya, tu vas me provoquer. Tu vas me provoquer, n'est-ce pas? Voilà. Bon, à plus tard, je vais filmer la manifestation. La liberté d'expression. Bolbia, c'est le président du Cameroun. Voilà, moi je n'empêche à personne, chacun ses choix. Élu président du Cameroun. Voilà ce qu'on aime. On est ensemble. On a LDPC. C'est la même chose. LDPC, MRC, mais il y a le drapeau au milieu. On veut le changement, le bien-être de tous les Camerounais. Voilà. C'est tout. Voilà l'esprit que j'aime. Voilà l'esprit que j'aime. On peut ne pas être d'accord politiquement parlant, ça ne fait pas de nous des ennemis. Voilà, moi je ne prône pas la haine, mais je prône la vérité en fait. Et la justice. Et pas mentir parce que ça vous gêne. Voilà, on y est. La place de la République aux couleurs du vert ou jaune aujourd'hui. Voilà. On va se balader, cherchons les stars. Les stars comme nous. Vous savez que je suis pas star, non? Vous avez vu, on me reconnaît. Hey, vous allez comme me reconnaît. La fille de qui? Il faut prononcer le nom de mon père très fort. Que ça arrive au paradis, qu'il entende. Ok, maman, ça va alors. J'ai enlevé. J'ai travaillé avec ta mère. Ta mère, t'es la fille de maman. Moi, je suis avec ton père. J'ai été en gynécologie. Moi, je suis d'abord. Ouais, ça. J'ai commencé même dans le direct. Ah oui. Faut pas donner trop de détails. Ils vont aller nous traquer. Ils vont aller traquer la famille. Non, t'inquiète. Bonjour. Je fais le tour. Okay. Voilà. On m'a reconnue comme la fille du docteur Ngaleu. Vous voyez ça? Quand il vous dit que quand tu fais des bonnes actions, ça laisse des traces. Mon père a fait des bonnes actions. Ça me suit. Je suis dans la foule. Je filme.
Le film. J'ai un vlog à tenir. Je suis vlogueuse. Vous oubliez souvent ça. Je ne suis pas que artiste, je suis vlogueuse. Hein. Voilà, un scarabée. Hey, qui parle là-bas? Attendez. Voilà. Ah, il ne peut pas me mettre. Je ne peux pas me mettre sur un truc pour filmer. Viens tout vous filmer. Non, Parcival, je ne vais pas monter sur scène. Bonsoir. Si vous avez des photos, parce que là je suis en direct, je suis en train de filmer aussi la manifestation pour ceux qui ne sont pas là. Vous savez, quand on fait les directs, on ne parle pas de sexe, on n'insulte pas les entrailles des gens, on ne partage pas. Voilà. Moi, mes directs, je n'insulte pas le physique des femmes, j'attaque leurs idées. Voilà. On m'a dit que j'ai attaqué Coco Ajanté. Je n'ai jamais attaqué le physique de Coco Ajanté. J'ai attaqué sa moralité. Et je vais encore attaquer CNDM. Et si quelqu'un d'autre me dit, même si c'est une artiste Bamileke, je vais attaquer. Voilà. Ah oui, la photo. La photo. Je vous en prie. Hein? Ah oui, elle est bien, elle est là. Ça va. Ne pas baisser d'abord avec vous deux, c'est comme ça. Voilà. Merci. Ah, ça fait plaisir. Parcival, je suis en train de te répondre que je n'ai pas prévu de chanter. Tout simplement parce que je n'ai pas envie d'être instrumentalisé entre guillemets. J'ai toujours dit ici que je ne voulais appartenir à aucun parti pour la simple raison que je veux être libre de pouvoir critiquer toutes les parties. Tous les partis. Donc, je m'interdis de devenir militante de quelque parti que ce soit. Parce que si tu deviens militante, comment tu vas te retourner demain si tu n'es pas d'accord? Si demain je ne suis pas d'accord avec ce que je vois, on va dire que tu es traître. Voyez un peu. Attends, je vais nettoyer. Ça va, je suis en direct. Hein. Je suis en direct. Donc je disais, si demain, merci pour les étoiles, Christian. Faites comme Christian, envoyez les étoiles. Vous savez que Facebook m'a coupé les dos, non? Mais toi, tu as... Non, si vous ne voulez pas que la famine me fasse taire, envoyez les étoiles. Parce que quand il est faim, il ne parle pas beaucoup. Vous voyez, non? Il n'y a pas la force. Je disais. Comment Choco? Choco, ton artiste, c'est quoi? Voilà. Vous, vos artistes que vous acclamez seulement sur Facebook, après, vous ne mettez rien dans les caisses. Faux, Choco. Hein? Envoie les étoiles. Tu as vu, non? Ça, là. Il faut envoyer ça. Donc, je disais. Je m'interdis d'être militante. Attendez, je dois aller donner l'argent à mes enfants pour manger. Je n'aime pas qu'on m'appelle comme ça là. Je dois aller donner l'argent à mes enfants pour aller acheter à manger. Donc je vous disais, moi je refuse d'être une militante parce que c'est tout un engagement en fait. Yamena, je suis en direct. Hein. Ouais. D'accord. C'est moi qui veux te voir. C'est moi qui remets les réponses. Ah, pas ça. Au champ. Au champ. Ok. Ah, sur les champs. Oui. Je suis restée peut-être une heure seulement. Tu prends encore une bière. Hein? Tu prends encore une bière. Non, j'ai encore une bière là. Hein. Je n'ai pas encore bu. Hein.
Mais bon, réserve ma bière, on ne sait jamais. Ou bien tu donnes le jus à mes enfants, parce que la bière, je ne bois pas beaucoup. Oui, je suis allée retirer l'argent pour vous donner. Tiens, allez chercher ce que vous allez manger. Je vais travailler. Oui, sans mes enfants. Voilà. Oui. Oui, donc ce que je parle sur Internet, c'est ce que je parle avec mes enfants. C'est pour ça que je les emmène ici. Voilà. Parce que ça, c'est pour vous qui me dites ici que... Oui, oui. Ça, c'est pour vous qui me dites souvent que... tu fais pour la visibilité. Franchement. Donc, comme on a peur qu'on dise qu'on fait pour la visibilité, on ne doit rien faire alors, si je comprends bien. Si je comprends bien, on ne doit rien faire. De toute façon, hein, je ne peux pas empêcher les gens de penser ce qu'ils veulent. Tout le monde a toujours à dire. Donc, pensez ce que vous voulez. Cheyenne, fais attention, je vais tourner là-bas, je vais filmer, je reviens, je fais mon petit reportage. Il y a quelqu'un que je veux voir. Voilà! Je refuse de chanter, Marcival, je reviens à toi. Je refuse de chanter en meeting parce que c'est comme un engagement en fait. Et si je viens chanter pour le MRC, si je deviens militante du MRC et que demain je critique le même MRC, vous serez les premiers à me traiter de traîtresse. Vous voyez un peu? Donc je préfère rester en retrait. Je préfère être neutre, pas neutre dans mes opinions, non. Mais neutre, c'est-à-dire ne pas adhérer à quelque parti que ce soit. Voilà. Mais par contre, mon opinion, que ce soit l'UPC, le RDPC, le MRC, ou même un candidat, même sans parti, tout ce que vous voulez, je veux avoir le droit de critiquer tout ce que j'estime, tout ce qui n'est pas juste à mes yeux. Je vais critiquer quel que soit le parti. Donc, je ne peux pas venir chanter au meeting. Voilà. J'espère que vous comprenez ma position. Donc, voilà. Je vais voir la baronne de Suisse. Mais il y a encore du monde. C'est moi, je suis fan. Oui, oui. Moi, je suis fan. J'aime ce qu'elle fait. On va approcher de la scène. Hein. On va approcher la scène. Tous les jours, je suis en direct, je peux vous filmer? Oui. Bonjour. Voilà, et ça, tout la star du MRC. Voilà, que des stars comme moi dans mon direct. Bonjour. Enchanté. Je tourne. Je cherche Sandy de Boston. Et vous filmez toutes les stars. Ouais, ouais. Et viens de voir quelqu'un. Oui, Bertie et Camille. C'est mon adversaire sur la toile parce que moi je suis féministe. Oh, lui veut que les femmes africaines restent soumises. Il est contre les féministes. Donc tous les jours on bagarre sur la toile. Mais vous voyez que
pour le Cameroun, on met tout ça de côté. Voilà, parce que nous ne sommes pas ennemis. C'est pour vous dire que les gens peuvent avoir des divergences d'opinion. Ça ne fait pas d'eux des ennemis, en fait. Voilà. Vous qui venez tout mettre les organes, insulter les gens là. C'est comme ça que vous aurez honte le jour où vous allez me voir pourquoi chanter. Parce que c'est pas mon ennemi. Voilà. Mais si quelqu'un fait mal, vous allez dire, Yamandra. Merci. Je suis en direct, donc j'évite. Merci. Bon, je tourne un peu. On est à la place de la République. Ah, quand je vois la scène comme ça, là, ça me fait mal. J'ai le goût, j'ai seulement envie de monter là-bas, arracher le micro et chanter. Mais bon, il faut être droit dans ce qu'on fait, dans ses convictions. Ah, j'ai trouvé ma combattante de cœur. J'ai trouvé. C'est toi que je cherche, ma combattante. Moi, je t'ai pas embrassé, oh. Déjà un peu plus libre. Ah si, elle est là, elle est enfin libre, je pense. Moi j'ai déjà mon billet, la baronne, c'est toi que je suis venue voir. J'ai mon billet, j'ai mon billet. Voilà, tu es un fan, hein? Tu es un fan caché, hein? De qui? De toi. De qui? De toi. Ah, tu es un fan caché. Ah, je croyais que c'était que moi, je suis fan. Je te suis de temps en temps quand j'ai du temps pour nous. Ah, merci, ben, oui. C'est gentil. Tu partages au moins? Oui, voilà, c'est la base. Parce que votre musique, j'ai tout le temps parlé en dialecte, en autre dialecte. Ouais. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. C'est ce qui est prévu. Mon album qui arrive, mon EP. Il y aura plus de chansons en langue c'est ah, ben ça, en langue c'est super. Banque, ouais. C'est des choses que beaucoup de gens vont voir. Vous avez enregistré particulier et moi j'aime bien. Voilà, je me dis ça. Même si c'est pas du Ben Skin, je peux quand même chanter ma langue. Ah, voilà, ben, exporter ma langue. En tout cas, je vous encourage. Hein. Et vous êtes aussi belle en voix que sur Facebook. Ah merci, il faut répéter la partie là. Vous êtes vraiment belle en vrai que sur Facebook. Vous avez entendu, non? Je suis un fan caché. Vous me manquez plus de respect ici, vous savez, y'a. Mais sérieux, je suis mort. Je suis mort, encore plus mort. Alive. Aïe. Ah, oh, la baronne, regarde, on va couper mes pieds ici parce que je te cherche vraiment, maman. Bon, je suis artiste camerounaise très engagée. Mm-hmm.
vous avez fait un direct récemment pour dire que les artistes engagés, on les cherche. Donc, je suis là. Je suis en direct. Donc, non, mais qu'est-ce que non, je suis d'abord fan. Très fan de ce que tu fais pour la culture déjà et pour le Cameroun de manière générale. Donc, voilà. Moi, j'aimerais bien échanger les coordonnées. Je ne mets aucune pression que tu écoutes ma musique. Et si ça t'intéresse, voilà. Ça marche. Reste en ligne. Je prends le numéro là-bas. Voilà mes bébés, ça y est, on a le numéro de la baronne. Voilà, je suis déjà très contente. Après, vous avez venu me dire que oh, tu n'es pas humble, tu n'es pas ceci. Voilà ce qu'on appelle être humble. Avoir le courage, je me dis à quelqu'un que un, je suis fan de toi, deux, j'ai besoin de ton aide. Être humble, ça ne veut pas dire que tu viens te coucher par terre et puis tu dis que je ne suis rien, montez sur moi, écrasez-moi. Non. Ça, c'est l'humilité qu'on vous apprend au Cameroun. C'est ce qu'on vous apprend là-bas. Toujours. Je devais montrer. Voilà un autre escarabée ici là. J'étais ami. Chouan à mon gars, j'étais ami. Merci, je dis bien. Tu m'as dit de passer un peu pour le temps de faire. Ah, mais écris-moi sur Facebook. Hein? Non. J'ai déjà écrit sur Facebook. J'étais en face de moi. Ça me rend aussi. Non, mais parce que je peux poser mon nom à tout le monde sans savoir pourquoi, tu vois. J'ai des relations de bonne amitié. Je vais aller voir. Qu'est-ce que je vais te faire mal? Non, mais après là, souvent ça peut mal se finir si quelqu'un te répond comme tu ne veux pas. Parce que d'une manière qui ne t'arrange pas, tu vois. Moi je suis un courage. Il y a beaucoup qui m'insultent sur ma page là. Non, même pas mon numéro, mais ils m'insultent parce que à un moment les échanges ne se passent plus comme la personne espère. Ça, c'est déjà mal pour lui. Tu peux donner une femme, vous ne faites pas une autre part. Pourquoi est-ce que ça va devenir que vous prenez mal? Ça, le Camerounais, non? Mais on n'a pas parlé. Mais j'ai très mal la frustration. Dans la vie, il faut déjà être espérant. Je n'ai jamais rêvé que je devais être là. Ça fait longtemps, mais moi aussi, beaucoup plus au Cameroun. Je viens de temps en France. Je viens de 2 mois après. J'ai mon numéro WhatsApp qui est sur ma page. Hein. Normalement, je peux dire ça. Dans France, moi, je m'appelle Robert. Et puis, je suis un. Tu vois, c'est pas un numéro là-bas. Tu vois, c'est pas un. Écris-moi, Robert, je te réponds. C'est moi qui réponds dans mes trucs. Non, je peux pas. Mais pourquoi, mon père? Aïe! Je peux pas te donner mon numéro, sérieux, je vais pas te mentir. Tu veux que je donne un faux numéro? Tu vois? Si tu me permets, tu peux me dire, il y a tel je peux t'appeler, ça me dérange, je me dis non, m'appelle pas. C'est pour ton lit, je ne veux pas te déranger. Tu m'appelles pour ce lit. Écris-moi. Et si j'estime que oui, ok, il n'y a pas de souci, je peux te dire mon nom. Oui, là, je vais faire un mail comme ça, non. Non, je suis désolée. Et je suis encore en direct là. Mais tu vas sortir ici. Ah, tu as vu ton masque, ça va. Oui, ça va et toi. Tu as peur de quoi? Donc, vous avez aussi peur. J'ai le monde de maintenant. Hein? Tu as les scarabées sur le côté. Maintenant. En plus, j'ai vu. Tout le monde, tu n'es pas que de l'autre. Tu l'as. Qu'est-ce que tu as? Tous mes combis sont abonnés à ta page Wanda. Y'a alors que tous mes combis sont abonnés à ta page Wanda. Regarde, voilà les gens qui me manquent le respect ici. Tu crois que je suis ton légal? Non, ne vois pas ta tête, t'inquiète, je filme que les pieds. Je filme que tes pieds. Donc c'est vous qui faites comme me diminue le respect ici dehors. Tous mes combis. Oh non, tu vois là pourquoi? Tu vois là que tes combis maintenant pourquoi? Il fait la bonne musique. Il fait la. C'est l'heure de ça. C'est mon jour. C'est mon année. C'est mon heure. Oui, les autres font les fausses modesties. Moi, je ne fais pas la modestie. Je sais que mon heure approche. C'est un festival sûr l'année prochaine. Je vais l'annoncer quand tu seras déjà bien
bien établi. Et là, je suis en train de travailler sur des choses pour avoir des dates, effectivement. Mais je ne peux pas en parler tant que rien n'est... Je vais te... Depuis que tu es prévu, c'est rien n'est fait. Tout ton instrument, là, je vais aller... Je vais mettre mes étoiles et payer mon instrument. Je vais commencer à faire les lives ici sur Facebook. On va me tourner aussi un peu. C'est vous qui faites souvent que ceux qui vous défendent vont se vendre. Parce que... À un moment, on leur ferme la porte partout et ils n'ont plus de quoi se nourrir. Comme moi, actuellement, Facebook a bloqué mes dos. Il n'y a que les étoiles qui passent. La publicité ne passe plus dans mes ways. Ils ont bloqué. Les autres vont se fâcher aussi. Ils vont fermer ma page. Ils vont manger quoi? C'est ça qui fait que vos leaders ou vos artistes souvent ne parlent pas parce que quand la famine touche mon frère, c'est la survie. Et que vous ne les soutenez pas vraiment ou quoi? Ouais, scarabée. Ah ouais? Tu peux nous quitter? Non. Tout est grâce, je te salue. Tout est grâce! Aïe! Tout est grâce! Un rasta! Vous avez dit quoi? Que c'est les gens qui me ressemblent. Qui vont venir me trouver. Tous les rastas sont sur ma face. Non, parle bien, parle bien d'abord. D'abord, n'est-ce pas, ils disent que nous, les restants, on est drogués, on ne sait pas parler. Oui. On est dedans maintenant, hein? On se calme. On dacte ça, tiens. Et on s'exprime mieux que vous. Tiens, voilà. Tu n'aimes pas. Je dacte les gars, et puis quoi? Tu as mon macabre, et puis quoi? Je peux te filmer, je suis en direct. Toujours. Voilà, vous êtes en ligne. Alors, le drapeau du Cameroun, d'abord, c'est la base. Qui vient nous retrouver ici là? C'est ça en fait qui est la vérité. Il y a tous les bords, il y a tous les bords ici. Vous avez vu tout à l'heure, il y avait quelqu'un du RDPC. Donc, comme je vous disais, on est indirect. Voilà, on n'est pas là pour se battre. On est là pour revendiquer, pour parler de ce qui ne va pas au Cameroun. Ce n'est pas une histoire de parti politique. Voilà. C'est tout. Un meilleur Cameroun pour nous tous. C'est tout. C'est tout. Le pays va être bien et nous tous, on va profiter. Parfois, ça fait avancer. À l'époque, on ne pouvait pas marcher, on ne pouvait pas être au Cameroun. Aujourd'hui, on est en train de parler. Ça veut dire que du côté de la prison, il y a peur. Ouais, ça commence à changer. Mais maintenant, la racine, ça tombe. Sinon, les bancs sont à partir. Les bancs sont à partir. Ouais, Seigneur! C'est même pas moi qui ai parlé. Pardon, ne me fermez pas à l'aéroport. Avec seulement. Pardon, c'est le banc. C'est pas moi qui parle. Ouais. Et bébé, voilà, alors je vous ai montré. Je cherche le white qui portait le drapeau camerounais là. Je cherche le white. Vous dites que l'affaire a pris notre tournure. Je le cherche. Ah, je suis là, Tani est partout. Je vais toujours sur mes enfants. Hein, parce que. C'est bon. Vous avez le reste d'argent. Ok. Ouais, comme d'habitude. Hein. Il n'y a pas les œufs dedans. Ah, vous savez que moi j'aime les œufs. Tu vas commencer les œufs. Mais vous n'avez pas mis les œufs dans votre bain. Non. Il n'y a pas de connexion. Vous êtes filmé. Bon appétit. On dit merci. Mange nous, hein. Ça veut dire prendre le temps pour la maison. Non. Il mange les affaires. Oui, hey. Surtout lui là. D'où comment? Je ne suis pas minéqué. Ouais. Ils sont nombreux ici, c'est la magie. D'accord. On se rend à Yaoundé. Je connais pas bien Douala parce que moi c'est Yaoundé.
Sina Yaoundé. Elle ne peut pas dire, je suis en ligne. Alors, oui. Elle te dit, tu vas parler, c'est ton quartier, on va laisser ta famille là-bas. Hey, hey. À plus tard. How many people? Si vous connaissez, voici Torpedo, grand promoteur en France. Grand promoteur en France. Je ne peux pas l'aborder parce que moi, il n'aime pas déranger les gens, il n'aime pas la honte, vous voyez, non? Mais normalement, là, voilà quelqu'un, il devait tout faire pour avoir son contact. Lui, là, c'est un grand promoteur ici en France, très grand promoteur, avec les grandes stars, tout ça là. Non, c'est le monsieur qui organise le concert de Valsero. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est à ce stand. Vous voyez? Voilà. Les